Le défi qui va vous être présenté maintenant n'est pas un simple délire de ouf dingo, non, puisque ces watermen chevronnés vont s'attaquer à l'une des vagues les plus grosses du monde, Bellara au Pays Basque, mais d'une manière peu conventionnelle, je vous l'accorde. Donc l'objectif, ça va être descendre une grosse vague à 4 sur cette planche. Donc c'est une planche gonflable qu'on a, dessinée avec Fred et les potes. Mais d'abord, revoyons les quelques images pêchées par notre reporter durant l'entraînement. Sur des vagues plus petites, mais costauds. Et la planche, regardez bien, a l'air de plutôt pas mal se comporter. Bref, pour l'instant, c'est l'éclate, dans tous les sens du terme. En fait, on s'est entraîné pendant longtemps à la Nord à Hossegor et au large des Cunis. Et là, on va essayer d'aller à Bellara. Bellara, la voilà. Une vague monstrueuse pouvant atteindre entre 8 et 15 mètres de haut, qui déferle au large de la baie de Saint-Jean-de-Luz seulement lorsque la houle est énorme. Le spot devient alors le sanctuaire des surfeurs de gros, et là, ça ne rigole vraiment pas. Ce sont des tonnes d'eau qui menacent de s'abattre sur les riders au moindre de leurs faux pas. Est-ce que tu peux imaginer l'effet que ça ferait de passer sur un autobus? Mais c'est exactement ça, sauf que t'es brassé dans tous les sens. C'est ça, tu le fais. Et il fait froid. Les rations. On est en décembre, il fait froid, donc il faut manger. Pour la pause. Et c'est parti pour une petite balade en jet ski, à la rencontre de la bête qui gronde à plus de 2 km de la côte. Une fois sur place, c'est le timing et la concentration qui donnent le ton à cet improbable rendez-vous. Belle sensation, on était morts de rire, je pense que de rigoler. J'ai tellement rigolé, on a failli se noyer. On est parti, ça a volé, dans tous les sens. Et j'ai mort de rire, il est en train de D'un coup, je suis parti, moi, avec le jet, j'allais très vite, et je me suis retourné, je les ai vus, ils ont lâché la corde, et là, ils sont allés hyper vite, je les ai vus se faire jeter dans tous les sens. C'était incroyable, quoi. Je les ai suivis tout le long, j'ai vu le raft descendre. Et je les ai vus se faire recouvrir par la mousse et d'un coup il y a eu le raft qui est sorti la mousse et ils étaient encore là les trois. Ouais, c'est impressionnant. Je me suis retrouvé avec Alex à l'impact, on s'est regardé tous les deux comme des cons et on a plongé, on s'est fait détruire. Et c'était hyper drôle, quoi. C'est une sensation de malade. Défi relevé haut la main, une expérience unique, un exploit qui ne peut laisser de marbre même les plus expérimentés. Ce mec est parti à la rame. S'il est encore plus vieux que nous, s'il voyait ça, il dirait que c'est pas vrai, c'est le cinéma. Il fallait tout vous rendre compte. On voit des fois la télévision. Il faut être artiste. Hein.